la solution qu'on nous préconise aujourd'hui, c'est la concurrence. Ça va régler tous les problèmes. Là aussi, regardons un petit peu chez nos voisins. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, ils prennent des décisions alors, en deux phases. Tout d'abord sur le réseau, à l'effigie de RFF et le réseau. Et dans un deuxième temps, des entreprises ferroviaires privées. Ils ont annoncé aujourd'hui des frais de gestion de 2,2 milliards et l'ambition c'est de les faire baisser de 1,5 milliard en renationalisant. Donc on voit bien que ça ne fait pas d'économie en réalité. Et on a un exemple flagrant, ça fait 31 ans que c'est la concurrence à tout va au Royaume-Uni. Et je ne vous parle pas des catastrophes humaines que ça a engendré. Nous on a la chance de pouvoir regarder ça. Arrêtons. Il est encore temps.